Parlons de l'utilisation des motifs strings. Alors, il est plutôt fait, je dirais, pour une utilisation avec le jeu sur un clavier maître MIDI, même si vous pouvez vous servir du clavier virtuel de contact, mais c'est quand même préférable d'avoir un clavier maître MIDI pour déclencher les phrases, les différentes variations, etc. Sachez que Emotive Strings a été optimisé avec le moteur de Contact 5 pour pouvoir suivre le tempo de votre séquenceur et on va dire entre 80 BPM jusqu'à 200 BPM. En dessous de 80 et en dessous de 200, on peut avoir des altérations au niveau sonore. Donc là, je suis à 120. Si je passe à 170, voyez que cela suit parfaitement le tempo. Et inversement, si je passe à 80, nous allons pouvoir charger pas moins de 10 phrases et passer de l'une à l'autre avec les key switches qui sont en rouge sur la gauche du clavier virtuel et on y accède depuis un clavier maître MIDI. Si t'es faible, j'ai une phrase vers le bas, un arpège vers le bas. Si je joue fort, j'ai un arpège montant. Enfin, dans les thèmes d'arpèges, on va pouvoir choisir de jouer un accord majeur ou bien mineur, et même les renversements, c'est-à-dire sol si ré ou si ré sol ou ré sol si. On va pouvoir contrôler l'intensité des phrases avec la mode wheel. Parlons de l'interface d'Emotive Strings. Alors, c'est une interface qui est vraiment très bien faite, à la fois simple, efficace et ludique. Nous allons pouvoir, depuis cette interface, eh bien, choisir des phrases, charger, des presets et modifier le son de l'instrument. Tout en haut, à gauche et à droite, nous avons deux fenêtres, une fenêtre d'expression. Et ici, une fenêtre de rappel, eh bien, de la phrase actuellement choisie, ou la dernière phrase choisie, ainsi que le mode de vélocité. On peut changer l'expression à la souris, et en live, en direct. C'est pour ça que cela s'appelle expression. On peut aussi le faire avec la mode wheel, la molette de modulation. Et bien sûr, si vous avez un clavier maître MIDI, ce qui est fortement conseillé, on va pouvoir jouer sur cette expression depuis la molette de modulation. Dans l'onglet Current Phrase, ici, alors suivant certains presets, je vais vous montrer, on aura une indication Play a Maj or Min Chord, donc on va pouvoir jouer des accords majeurs et des accords mineurs. Passons au dernier onglet, l'onglet Playback. Et nous avons la possibilité d'affecter les phrases à trois niveaux, au niveau du release, du temps
de relâchement, exprimé en millisecondes, du legato transition, donc là ce sera le volume en dB, et du tempo normal x 2 ou divisé par 2. Donc par exemple avec mon phrase release, à 0, dès que je relâche la touche, il s'arrête. Avec par exemple le maximum, vous voyez qu'on a un petit décrescendo au niveau du relâchement. On a le volume du legato transition, c'est-à-dire quand on passe d'une note à l'autre. Vous voyez que quand je passe d'une note à l'autre avec un fort volume, c'est le volume de transition. Et enfin, on a au niveau du tempo x2, normal et un demi. Donc ça peut être intéressant, par exemple, avec des phrases d'arpège. Je vous montre ça. Donc là, je suis en x2, normal et un demi. Et alors, si je prends un preset avec des doubles croches, un 16, en mode normal, mais en mode x2, ça peut être assez intéressant.